Il a compris. On va en arriver avec Yuba. Ah, c'est moi, Yuba, retourne, c'est lui, sa tête. Comment tu t'appelles? Ah ben moi je m'appelle Moya comme le comme l'artiste. Pour faire la fresque, il a fallu un mois à peu près. Donc je sais pas si t'as déjà vu l'expo, donc je t'es pas venu ici. Là c'est la reproduction de l'expo en fait. Okay. Tous les murs sont peints sur des grandes toiles noires. Ah bah c'est vrai que t'as dû voir sur Facebook. Il s'est reproduit quasiment à l'identique. Sauf il n'y a pas de sculpture au milieu par contre ici. Bah, si vous venez chercher la toile, vous pouvez vous arrêter à Cannes. Vous pouvez même faire un direct depuis Cannes de sur Pirates en vous mettant sur les ordinateurs. Ah, ça y est, elle est revenue. Voilà, ça y est, ils se sont reconnectés. Voilà, rebonjour. On est avec un membre du groupe Pirates de Second Life. Et si pour parler, il faut appuyer sur le bouton parler en bas à gauche sur l'écran tactile. L'écran est tactile, donc il faut appuyer sur parler. Parler. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, ça y est. Ah, super. Oui, ça y est. Ah ben voilà, ça remarche. Alors les personnes sont parties, mais je vais leur dire de venir vous voir, parce qu'elles avaient une question à vous poser. Voilà. Je sais pas si vous me voyez. Si vous me voyez. Voilà. Ah, je sais pas, Jean-Marc, si toi tu vois l'écran, si tu es sur le viewer 2. Parce qu'on est avec un monsieur qui est du groupe Pirates, qui est là en avatar. C'est un groupe qui a beaucoup d'artistes sur Second Life et qui fait beaucoup d'expos sur Second Life. Mais on me voit, moi, par contre. Normalement, vous me voyez sur la webcam si vous tournez vers l'écran. Oui. Voilà. Si vous venez par ici, regardez. Là, attendez. Voilà, vous devez voir l'écran normalement ici. Voilà. Si vous tournez un peu vers moi, vous devez voir l'écran. Il faut vous tourner un peu à droite. Avec les flèches de droite. Parce qu'on a caché toutes les flèches sauf celle de avancer, reculer. Oui, en bas, dans le trou, il y a un petit trou, il y a quatre flèches. Vous appuyez sur celle de qui va vers la droite. Pas trop, hein, ça tourne pas beaucoup. Mais enfin, bon. Voilà, ça y est. Voilà, ça y est. Ouais, les autres, vous pouvez avancer, reculer, enfin, vous pouvez bouger. Le personnage vert central la première scène. À droite, il y a un totem. Ah oui. Il y a le personnage vert. À droite, il y a la pyramide des Incas. Ah bon? Bon, je vais aller voir alors. Parce que ça... Je vais aller voir alors. Ah, si j'ai pas mis mon nom, ça m'inquiète. Alors attendez, je vais regarder. Mais il est où ce personnage vert? Ah bah il y est peut-être pas encore là, parce que c'était avant. Bah je vois pas de personnage vert. Aïe, c'est quoi ce personnage vert? Bon bah je sais pas. J'ai été voir, là on peut aller voir la salle, elle est là-bas, regardez. Si vous avancez, si vous reculez, si vous vous tournez et que vous me suivez, on peut aller voir l'endroit. Sauf que les photos que j'ai mis étaient faites un peu avant. Un peu avant la fin, donc il n'y a peut-être pas le personnage vert. D'accord, du coup je vais regarder celui-là.
Ah, venez, attendez, venez, suivez-moi, là, regardez, vous avancez par là. Voilà, toc. Alors maintenant, hop, hop, maintenant là, voilà. Voilà, maintenant vous me suivez. Voilà. Ça y est, presque. Oh là là, oui, presque, presque. Non, non, ah non, vous sortez là. Non, vous sortez. Mais vous n'avez pas d'ordinateur chez vous alors? Ah voilà. Donc là, je fais quoi, à gauche ou tout droit? À gauche. À gauche. Vous passez par la porte, vous me suivez là, voilà. Regardez. Ah non. Aïe, aïe, aïe. Sinon, je vais vous mettre dans une voiture et vous emmener dans une voiture parce que j'ai fabriqué une voiture pour transporter les avatars. Même si vous voulez pas être transporté, ça vous transporte. Attendez. Ah, ça y est, ça y est. Ça y est. Alors, il est où ce bonhomme vert? Je ne vois pas. Droit devant. Droit devant. Voilà, il est un peu vert avec deux branches d'arbres. Ah non, il est jaune, lui. Ah oui. Ah bah non, j'ai pas mis mon nom, là. Ah mince, vous cherchiez? Oh, oh bah mince, j'ai même pas pensé, oui. Oh. J'aurais dû le mettre dans les yeux, finalement, le nom. Bon bah, la prochaine fois que je reviens, je rajouterai mon nom dans les yeux. Maman, c'est vrai, oui. Ah, il y a... Alors, qui c'est qui me dit? Oui, ben oui, on peut téléporter un artiste. Il va peut-être téléporter un artiste, monsieur Larocque, qui est là. Oui. Si tu veux. On va retourner vers l'écran. Toc, voilà. Pour l'instant, on me voit moi, mais... Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a Francis Ray qui arrive. Bonjour. Bonjour. Ben là, on est en direct de Cannes, donc de la Malmaison. Où il y a des visiteurs qui peuvent nous regarder. Et on est dans la reproduction exacte de l'expo du Centre d'art La Malmaison qui est sur la Croisette. Voilà, qui est la reproduction. Et il y a deux ordinateurs à disposition du public à la fin de l'expo pour aller sur mon île de Second Life et pour me parler aussi. Ah, moi je m'appelle Moya. Alors à l'extérieur c'est la reproduction exacte du lieu aussi sur la Croisette. Ah bah il nous suit aussi le garçon qui a l'avatar. Voilà. Donc, et c'est tout peint sur les murs, c'est peint sur 90 mètres de long, sur 4 mètres de haut. Ah, génial. Et ça a été peint sur place pendant un mois. Et après ça a servi de décor aussi pour la quinzaine des réalisateurs, parce qu'ils étaient dedans, pendant le festival de Cannes. Ah ouais, c'est un boulot fou ça. Ouais, ça a été assez long et j'étais en direct sur mon site en webcam pendant tout le temps de la réalisation. Donc on a fait plein de films sur YouTube avec le direct. Ah, je vais voir ça. Il y a aussi une expo de photos, mais qui est pas dans l'expo, mais qui est ici, d'un photographe qui a suivi la réalisation, qui est là. Mais ça, on l'a mis, mais elle est pas dans l'expo réelle, elle est dans le catalogue. Ah bah ouais, il nous suit le visiteur clip. Oui, il sait bien le faire marcher. Donc, voilà. Excellent. Elles sont chouettes ces photos, j'aime bien. Ouais. J'ai fabriqué une voiture à transporter les avatars sans leur consentement. Il faut que je la pose. La voiture... C'est un truc assez pratique, ça déplace l'avatar. C'est un objet physique qui se conduit. Ça déplace l'avatar. Voilà, je la pose là. Stock, je le mets dedans. Dans le bon sens. Stock, voilà. Ensuite, je le mets comme ça.
Voilà, une fois qu'il est enfermé dedans, j'ai plus qu'à conduire l'objet et il est poussé à l'intérieur. Le tout, c'est qu'il soit assez haut, l'objet, sinon il sort. Donc, voilà, à modifier, construire, drive. C'est une façon de se faire mettre en boîte, quoi. Ouais, voilà, comme ça, tu vois, je le ramène devant l'écran, sinon il voit pas l'écran après, c'est embêtant. Stock, voilà. 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 Voilà, on est revenu devant l'écran. Je vais jeter la boîte. Toc, et voilà. Bon, je vais le repousser. Voilà. Et là, on a des visiteurs qui sont en train de nous regarder sur l'écran. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Allez là. Oui, on peut danser dehors. Voilà, il y a, je peux mettre DJ. Je sais pas, je crois qu'il y a la musique, mais je sais plus. Est-ce que la musique? Non. Ah, je sais pas. Non, oh, il est à l'intérieur. Ah, parce qu'il y a d'autres gens qui sont. Voilà. Et tout a été peint sur place, un peu avant le festival de Cannes. Et ça a été terminé pour le festival de Cannes parce qu'il y avait la quinzaine des réalisateurs qui étaient dans la Malmaison. Et donc j'ai dû arrêter pour le festival de Cannes.